La boîte à secrets. Lola est invitée chez son amie Gaëlle pour la première fois. Dans la chambre, Gaëlle lui dit tout bas « Moi, j'ai un secret. » Gaëlle sort d'un petit sac une bille avec des reflets bleus et verts. « C'est ça ton secret ?» s'étonne Lola. Gaëlle explique « Oui, c'est une bille que ma mamie m'a donnée. Maintenant, mamie est partie loin, dans le ciel. Quand je suis triste, je regarde la bille. Je vois ma mamie dedans. Elle me dit bonjour. Mais tu ne le répéteras pas, hein ? C'est mon secret. » Lola est surprise. Son amie a un secret et pas elle. Mais voilà Tom, le frère de Gaëlle. Il appelle Lola. Hey, tu viens jouer avec moi ? Dès qu'elle entre dans la chambre de Tom, Lola aperçoit un beau coffre rouge. N'y touche pas, dit Tom. Il y a un secret dedans. Lola est étonnée. Quoi ? Toi aussi, tu as un secret ? Tom chuchote. Si tu me promets de ne pas le répéter, je te le dis. Promis ! Dit Lola. Alors Tom raconte. La nuit, des dragons qui crachent du feu viennent m'attaquer. Moi, je les enferme dans ce coffre. Comme ça, ils ne peuvent plus m'embêter. Mais si tu dis mon secret à quelqu'un, tous les dragons ressortiront. Lola comprend. Promis, elle ne le répétera pas. Dès qu'elle rentre chez elle, Lola dit à sa maman « Moi aussi, je veux avoir des secrets et les garder dans une cachette. » Alors sa maman lui donne une belle boîte. Lola se demande ce qu'elle pourrait y cacher. Elle pense « Quel est mon secret à moi ?» Elle cherche et finalement, elle dépose un cœur en papier de soie et un petit étui en tissu avec quelque chose dedans. Sa maman jette un coup d'œil vers la boîte et elle dit « Tiens, tu as mis un cœur ? Tu es amoureuse, Lola ?» Lola se sent rougir et elle ne répond pas. La boîte est transparente, maman voit tout. Lola est déçue, elle ne peut pas cacher ses secrets. Alors Lola colle partout, sur tous les côtés de la boîte, des petits bouts de papier doré. Comme ça, plus personne ne peut voir ce qu'il y a dedans. Mais lorsqu'elle veut y cacher un troisième secret, zut ! La boîte ne s'ouvre plus. Oh non ! Se dit Lola. J'ai mis trop de colle. Elle court voir son papa dans la cuisine. Papa, papa, aide-moi ! Papa comprend le problème. Il passe un petit couteau sous le couvercle pour le décoller. Lola s'inquiète. Tu ne regardes pas ce qu'il y a dans ma boîte, hein ? C'est secret. Papa répond en riant. Promis, je ne regarde pas. Et il lui tend la boîte. Tu peux l'ouvrir et la refermer maintenant. Comme ça, tu pourras montrer tes secrets seulement quand tu le voudras. Oui, oui, merci, dit Lola. Et elle court vers sa chambre, pressée de cacher son troisième secret. Le lendemain, Gaëlle et Tom vont chez Lola. Pendant que Gaëlle feuillette un livre, Tom découvre la boîte décorée de papier doré. Tom est curieux. Il demande à Lola... Qu'est-ce que c'est ? Un cadeau ? Lola met son doigt sur sa bouche. Chut, c'est un secret. Tom s'écrie « Mais moi, je t'ai dit le mien !» Lola hésite. Elle a un peu peur qu'il se moque d'elle. Mais elle ouvre la boîte et elle en sort le petit cœur. « Tu peux le garder, » lui dit-elle. « Il fera fuir les dragons qui t'attaquent. » Tom lui sourit. Et ce sourire fait battre le cœur de Lola.